Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlerons de la magie des épices. Alors, quelle est l'importance des épices dans les rites magiques? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre invité. Parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir, ceci pour la première fois, M. Florent Avocan. Florent Avocan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cherchant en spiritualité, en ésotérisme. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous de la magie des épices. Alors pourquoi parle-t-on de la magie des épices? Infiniment merci à vous et merci aussi à tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous savez, l'univers, la vie dans laquelle nous sommes est conçu sur la base de certains éléments clés. Terre, eau, air et feu, et l'architecte de l'univers, le créateur, le maître du temps et des circonstances, a créé des rudiments importants dont on a besoin pour mieux réussir. Épices qui coulent les rues, épices qu'on voit à la cuisine, épices qui a des vertus culinaires, a aussi des pouvoirs potentiels spirituels. Quand vous prenez presque toutes les épices que nous connaissons aujourd'hui, elles ont des valeurs purement spirituelles qu'un être humain peut utiliser pour son épanouissement, pour son bien-être, pour sa prospérité, pour sa clarté, pour sa gloire, pour sa promotion, pour son succès, pour son bonheur. Elles sont énormes, mais peu sont connues. Ouais. On peut aussi les utiliser pour manipuler véritablement le monde spirituel, tel que chasser une énergie néfaste, attirer le bonheur, attirer le succès, attirer la grâce, attirer la gloire, attirer l'amour, attirer l'harmonie, attirer la paix. Donc elles sont vraiment importantes et un pouvoir superficiel dans nos rites, dans nos différentes pratiques, dans nos rituels, dans nos habitudes et dans tout ce que l'être humain peut faire pour la sanctification, la bénédiction, la prospérité et l'épanouissement de sa vie. Donc aujourd'hui, les épices sont vraiment importantes dans nos différentes vies, qu'elles ont d'énormes vertus. Très bien. Merci. Alors, quelles sont ces vertus spirituelles que l'on confère si tant aux épices? Vous savez, chaque épice avec ses vertus. Oui. Permettez-moi de prendre l'exemple de trois épices. Oui. L'ail qui est connu de tous. Mm-hmm. Avec l'ail, l'on peut se purifier. Mm-hmm. L'on peut voir la situation de son aura. Mm-hmm. L'on peut se débarrasser des énergies nocives dont nous sommes victimes. Mm-hmm. Outre là, il y a aussi les feuilles de laurier qui sont là, mm-hmm. connues sous le pseudo épices, mm-hmm. qu'on peut utiliser pour la promotion, le succès, la prospérité, la gloire et l'harmonie. Quand vous prenez le portefeuille d'un riche, mm-hmm. pas quelqu'un qui est en voie de richesse, mais quelqu'un mm-hmm. qui a véritablement l'argent, mm-hmm. difficilement vous retrouvez un billet de 1000 francs dans son portefeuille. Mm-hmm. Mais le portefeuille est tellement gros qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Faites au moins l'expérience, ouvrez. Vous allez découvrir des cartes de visite, mais une bonne partie dans le portefeuille est réservée aux épices, lesquelles des feuilles de laurier non perforées. Le portefeuille a pris aujourd'hui la place de la cuisine, c'est une question qu'on doit se poser. Oui. Mais c'est parce que les feuilles de laurier ont la possibilité d'attirer les finances à travers le travail. Donc, quel que soit l'effort que ce dernier fournit, il arrive à attracter un bon rendement mm-hmm. à travers les feuilles de laurier qui sont oui. dans le portefeuille. Mais à la base, il faut déjà travailler. Il faut déjà travailler. Faut seul le travail libère l'homme. Très bien. Creuser, fouiller, bêcher. On dit oui. de ne laisser nulle place où la main ne passe mm-hmm. et repasse. Mm-hmm. Mais n'oublions pas que la spiritualité doit être devant tout. Tout. Donc, on peut aussi opérer beaucoup de miracles spirituels. Oui. L'on peut agir spirituellement sur soi à travers les épices. Outre les feuilles de laurier qui ont aussi des vertus purement attractives, mm-hmm. il y a aussi l'autre épice nommée clou de girofle. Oui. Qu'on peut utiliser pour les désenvoûtements, mm-hmm. qu'on peut utiliser pour se purifier, qu'on peut utiliser pour attirer l'estime de soi, mm-hmm. qu'on peut utiliser pour la prospérité, qu'on peut utiliser pour la grâce. Nombreuses sont ces personnes qui nous suivent en ce moment, d'autres sont parfois souillées, mm-hmm. toutes mes excuses. Hein. Mm-hmm. C'est comme si les laves, les résidus et blocages sont autour d'eux. Mm-hmm. C'est des gens qui frappent presque à toutes les portes, mais n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Mm-hmm. Vous savez, oui. il suffit juste d'aller chercher Jean, Mamit ou Casserole. Mm-hmm. Vous associez les feuilles de laurier, mm-hmm. clous de girofle, mm-hmm. avec une plante du vin végétal qu'on appelle citronnelle. Oui. Les trois ingrédients, vous les associez dans votre jamamit casserole. Vous ajoutez dessus cet élément indispensable dans la spiritualité, le sel. Mm-hmm. L'élément qui contient anion et cation. Oui. Trois poignées de sel, vous mettez dessus. Vous ajoutez 3 litres d'eau et vous laissez le tout au feu. Mm-hmm. Pendant combien de minutes? 15 à 20 minutes d'ébullition. Après 15 à 20 minutes, vous descendez votre mamie du feu. L'eau qui est restée sur les ingrédients, oui. vous filtrez dans un petit seau. Vous bénissez l'eau.
tout en faisant peut-être un renvoi, en utilisant peut-être une prière de l'abbé Julio, en récitant peut-être le psaume 51, en récitant peut-être la sourate Ikhlas sur cette eau pour sanctifier l'eau. Pour la consacrer. Dès que vous terminez la consécration, vous rentrez dans votre douche, dans votre salle de bain, mais lavez-vous paisiblement. Vous savez, physiquement, on se dit qu'on vient de se laver, qu'on a nettoyé les microbes. Mais spirituellement, au plan invisible, plan énergétique, on a débarrassé de nous toute énergie invisible à l'œil nu. On dit souvent en français qu'on vient de faire une remise en état complète. C'est comme une carte mémoire qui a été formatée pour capter encore de nouvelles données. Alors, qu'est-ce qui confère ce pouvoir à ces épices-là? En termes clairs, quels sont les éléments ou les entités qui résident dans ces épices-là et qui peuvent vraiment aider à faire ce genre d'opération, comme vous venez de le dire? Dieu qui a créé le ciel et la terre a donné vertu à tous les éléments qu'il a créés, tels que le règne végétal est utile. C'est comme ça aussi les animaux sont utiles. Les épices que nous avons à la cuisine ont des vertus culinaires. On les utilise parfois pour relever le goût des plats. Mais outre ces vertus, il y a un mythe spirituel qui se cache derrière. Il y a un ensemble d'énergie concentrée pour agir sur les épices. Vous voyez qui a vu une fois son esprit. Il faut méditer pour comprendre la voix interne. C'est comme ça qu'il est difficile à l'œil nu de voir l'énergie qui est derrière une épice. Mais l'épice est concentrée d'énergie, concentrée de pouvoir. Vous ajoutez un peu l'épice qu'on appelle anis étoilé. C'est une épice aussi connue, qu'on utilise pour assaisonner le goût de nos différents plats, mais qu'on utilise aussi pour améliorer sa vie financière. Donc vous mettez un peu de la poudre, ou bien de la résine, de l'épice qu'on appelle anis étoilé dans cette eau, pour remuer. Un bon jeudi sous l'influence de la planète Jupiter, vous prenez ce bain. Donc chaque épice a ses vertus. Les vertus des feuilles de laurier sont différentes des vertus du clou de girofle. Les vertus du clou de girofle sont différentes des vertus du Silopia aethiopica, concrètement appelé poivre noir africain, en langue nationale fond du Bénin. Les vertus du Silopia aethiopica sont différentes des vertus de la cannelle. Les vertus de la cannelle sont carrément différentes des vertus de l'ail, ainsi de suite. Toutes les épices que nous avons ont leur vertu. Mais il ne faut jamais oublier le principe actif. Parce que c'est la meilleure chose qu'on doit comprendre d'abord. Vous savez, là où s'arrête le boulot de l'ail, clou de girofle peut prendre régence. Là où s'arrête la doctrine des clous de girofle, les feuilles de laurier peuvent venir à notre secours. Donc l'assemblage de toutes les épices concourt au bien-être et à l'élévation de tout un chacun de nous. Et dans nos actes et habitudes désormais, on doit les ancrer pour vivre en paix. Alors, est-ce qu'il existe des entités et d'élémentales dans les épices qui leur confèrent ce pouvoir? Vous savez, on a parlé tout à l'heure des quatre éléments fondamentaux. La terre, l'eau, l'air et le feu. On utilise l'eau pour se purifier, l'air pour chasser les entités maléfiques, la terre pour attirer toute l'énergie dont on a besoin et le feu pour consumer le malheur qui est autour de nous. Mais toutes ces énergies qui se cachent dans les quatre éléments de l'univers se cachent aussi dans les épices. Parce que c'est des fruits qui ont quitté un arbre. Les clous de girofle ont quitté l'arbre qu'on appelle le girofilier. Les feuilles de laurier aussi ont quitté peut-être l'arbre qu'on appelle le laurier. Et ces arbres-là ont donné peut-être leur effet sur la dans la nature, précisément sur la terre, qu'on appelle parfois spirituellement aussi Malkoth. Vous comprenez un peu. Donc toutes ces énergies purement spirituelles sont derrière presque toutes les épices. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise les épices pour se purifier. On peut utiliser aujourd'hui les épices pour lutter, excusez-moi, pour contre la messe noire, contre la sorcellerie, contre les envoûtements. C'est comme quelqu'un qui est véritablement envoûté. Et vous lui dites de prendre un bain spirituel d'une semaine, je dis bien, pendant les 7 jours de la semaine, avec une bonne décoction à base de Silopia aethiopica, ce qu'on appelle en nom commun poivre noir africain, connu sur le pseudo de Kwejelekun. Mais ce dernier va directement défaire les nœuds. Éloigner les laves qui les disposent de réussite. Les sorts qui ont été lancés sur lui vont se retourner contre ceux qui l'ont lancé. Mais voyez un peu l'étanchéité de la chose. C'est ça. La valeur spirituelle de la chose. Alors, est-ce qu'on peut parler des vibrations lorsqu'on aborde donc cette thématique des épices? Bien sûr. Que les épices comportent des vibrations qui élèvent donc, qui leur permettent, j'allais dire, de faciliter ou de matérialiser des choses. Vous savez, chaque épice a sa vibration. Je prends un exemple, bien avant de répondre à votre question. Vous savez qu'on peut contrôler toutes les fois la situation de son aura en connectant les 7 églises d'effet, ce qu'on appelle les 7 chakras, les 7 centres vitaux, à 3 morceaux d'ail. Mais c'est facile, c'est un jeu purement spirituel. Il suffit juste d'aller chercher 3 morceaux d'ail non épluchés, donc vous n'allez pas enlever la peau. Vous mettez les 3 morceaux d'ail dans la main gauche,
Car la chiromancie nous enseigne que la main gauche est moins souillée que la main droite. Donc vous mettez les trois morceaux d'ail dans la main gauche que vous fermez pendant 5 bonnes minutes. On dit que vous connectez toutes les énergies en vous, ainsi que votre aura, le halo de lumière qui vous entoure, aux trois morceaux d'ail. Vous placez en face de vous un verre rempli d'eau. Vous jetez les trois morceaux d'ail dans le verre. C'est là que le mythe qui est derrière commence à se dévoiler à l'être. D'autres vont faire peut-être l'opération, les trois morceaux iront s'asseoir totalement dans le fin fond du verre. D'autres vont faire l'opération. Ça va émerger. Les trois morceaux vont rester à la surface de l'eau. D'autres vont faire l'opération, deux morceaux peuvent aller à la surface et un est au fin fond du verre. Mais chaque résultat que vous obtenez a une interprétation. L'interprétation de A diffère de l'interprétation de B car nous n'avons pas tous la même densité d'aura. D'autres ont d'aura pure. Pour certaines personnes, l'aura est souillée. Pour certaines personnes, même le halo de lumière ne reflète plus parce que les chakras sont déjà totalement souillés. Donc, du Mooladhara jusqu'au Sahasrara, toutes ces énergies sont condensées d'énergies défavorables. Donc, les trois morceaux d'ail dans l'eau vont nous démontrer la situation de notre aura. C'est favorable quand les trois submergent véritablement dans l'eau. Donc, quand les trois morceaux d'ail vont au fin fond du verre. Mais défavorable quand vous voyez les trois morceaux d'ail à la surface de l'eau. Défavorable quand un seul reste à la surface de l'eau. Défavorable quand deux restent à la surface de l'eau. Donc c'est favorable quand on voit ces trois morceaux d'ail après cette opération spirituelle se retrouver totalement submergés au fin fond de l'eau. Donc on peut utiliser l'ail pour les arts divinatoires. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on utilise même la cannelle aussi pour faire une bonne consultation pour soi. Du jour au lendemain, les choses ont commencé par aller en dents de scie. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Les énergies qui attraquent n'attraquent plus comme cela se doit. Donc, mais écoutez, l'être humain ne va pas se laisser. Ce n'est pas quand on est à terre qu'on va se lever. Mais quand on commence par voir qu'on est en train de descendre, l'on peut regarder pourquoi ça ne va pas. Trois bâtons de cannelle. Donc, trois bâtonnets de cannelle. Que vous emballez peut-être dans une petite toile. Votre toile doit avoir la couleur jaune. Que vous déposez dans un seau, vous mettez de l'eau. Pourquoi la couleur jaune? La couleur jaune parce qu'elle est la couleur 1 du soleil. Et elle est une couleur influente qui a une forte domination sur l'estime de l'être humain. Donc c'est une couleur qui est plus connectée à notre kundalini et qui permet l'éveil en tout un chacun de nous. Donc ces trois bâtons de cannelle, vous les déposez dans une petite toile ayant la couleur jaune. Et vous jetez la toile ou dans un seau, vous mettez d'eau dessus. Versez seulement l'eau dessus et lavez-vous de jeudi à dimanche. Vous regardez le film de ce qui vous arrive. C'est pas tout ce qui nous arrive dans la vie, excusez-moi beaucoup, qui est parfois volonté de l'éternel. Il y a parfois des êtres qui nous entourent, dents blanches qu'un noir, mais qui nous poignardent spirituellement. Donc vous voyez en quelque sorte le film dans les songes, à travers peut-être les rêves, ou bien la voix interne vous donne cette communication-là. Mais tout ce résultat que vous avez obtenu, c'est à travers cannelle, qui est appelé au départ épices. Depuis quelques années, on développe toute une littérature sur les vertus magiques des épices et vous en êtes le pionnier en Afrique. Alors pourquoi cette option-là? Pourquoi avez-vous décidé donc de travailler, de faire vos recherches spirituelles, ésotériques sur les épices? Elles sont plus faciles à manipuler car on a la facilité de les avoir mieux que beaucoup d'autres objets purement spirituels. Leur zone de confort, c'est la cuisine. Donc dans toutes les cuisines, l'on retrouve ces matériaux dont on a besoin pour l'épanouissement, pour la paix, pour le succès, pour le bonheur. Mais pourquoi ne pas utiliser ce qui est plus proche de nous pour éloigner ce qu'on doit éloigner de nous pour que le succès, pour que la paix, pour que le bonheur, pour que la joie, pour que l'amour et l'harmonie incarnent les différents départements de nos différentes vies. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde utilise l'ail, quelle que soit notre obédience religieuse, quel que soit notre cesse, on utilise presque tous l'ail. Mais pourquoi ne pas profiter de son pouvoir magique, de ses vertus spirituelles? Quand vous rentrez dans 1000 cuisines, il n'y a pas tout des feuilles de laurier. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, c'est le nom qui gâte l'affaire, la baniguette. Il suffit juste de dire piment de Guinée, le trop chrétien dira qu'il n'utilise pas. Mais vous utilisez le pseudo baniguette, tout le monde utilise. Mais dans quelle cuisine il n'y a pas de baniguette aujourd'hui? Ce n'est pas l'effet qui se cache derrière qui nous fera peur. Mais c'est le résultat qu'on attend qui est important pour chacun de nous. Ce n'est pas le nom que porte l'épice qui nous fera peur. Mais c'est sa densité spirituelle qui est bénéfique pour chacun de nous. Donc quand vous prenez toutes les épices, je dis bien tout est connu et inconnu, car il y a des épices aussi très rares qu'on a du mal à avoir, excusez-moi beaucoup, dans leur zone de confort. Les communes ont des pouvoirs magnétiques, ont des pouvoirs spirituels qu'on peut facilement manipuler. C'est la raison pour laquelle, de recherche en recherche, nous procédons aujourd'hui
excusez-moi beaucoup, hein, à la grande propagande de l'effet, du résultat, de la paix qu'on retrouve, du bonheur qu'on retrouve en manipulant ces épices. Mais le tout ne s'agit pas d'écraser les épices, de les mettre dans l'eau. Non, il faut savoir les associer. Car chaque épice aussi a son principe actif. Donc si vous associez mal les épices, au lieu d'avoir un résultat positif, vous courez le risque d'avoir un résultat négatif. Donc il faut savoir les associer et mieux les manipuler pour avoir le résultat qu'on recherche. Et rassurez-vous, ça marche. Alors, Maître Avocat, la tradition ésotérique africaine fait-elle aussi recours aux épices dans les rites magiques? Je dirais oui, parce que dans la plupart des rites aujourd'hui, ces épices interviennent. N'oubliez pas que piment de Guinée, quand on part peut-être chez ceux qui sont plus artisans de la chose. Pour activer le verbe. On retrouve souvent cette épice-là. Autre piment de Guinée, il y a aussi le silopia éthiopica, qu'on retrouve pour communiquer avec certaines entités. Il y a aussi l'ail qu'on utilise pour se débarrasser d'autres entités dont on n'a pas besoin. La fumigation peut-être de la paille d'oignon ou bien de la peau d'ail peut nous aider aussi à nous débarrasser des larves. Donc, toutes les épices sont utiles dans nos rites. Excusez-moi beaucoup, hein. Même à l'église, on utilise les épices. Parce qu'on fumigue des encens. Et il y a des encens faits à base des épices. Le musulman utilise les encens. Donc, même dans l'islam, l'épice intervient. Dans la tradition endogène, on l'utilise aussi. Donc, elles ont leur place un peu partout dans le monde. Et de nos jours, on doit les manipuler pour avoir la paix. Car ça nous permet nous-mêmes d'être autonomes dans notre vie spirituelle. On n'a pas besoin de nous déplacer vers A ni B avant d'avoir le résultat qu'on recherche. Mais en utilisant les épices telles que cela se doit, on a immédiatement le résultat escompté. Alors, est-ce que l'utilisation des épices est forcément liée à une filiation religieuse ou initiatique? Non, écoutez, tout le monde peut utiliser les épices. Mais il y a des épices là, qui ont de caprices. Lesquelles par exemple? Il y a des épices qu'on retrouve dans les temples. Ou c'est les rites qu'on doit faire de l'autre côté, qu'on doit faire avec. Les sorties dehors, pas conseillées. Vous comprenez? Que vous mettez dans sorties dehors? Parce que les téléspectateurs veulent bien comprendre. Vous savez, je les projections astrales, vous voulez dire? Je suppose qu'on est peut-être dans un temple hindou. C'est réservé seulement aux hindouistes. Aux initiés. Mais au jour d'aujourd'hui, les plus connus sont utiles par le monde entier. Tout le monde peut utiliser. Quand vous rentrez dans tous les rites aujourd'hui, on a besoin d'ail. Peut-être pour éviter les cauchemars dont on est victime, pour lutter contre les accidents qui rôdent camp autour de nous. Il y a une petite astuce maison que tout le monde peut appliquer. Vous prenez un citron. Ce n'est pas une épice. Vous perforez le citron avec un objet pointu et vous enfoncez à l'intérieur de ce citron un seul morceau d'ail. Vous gardez peut-être dans le coffre de votre voiture, siège de votre moto, vous cachez quelque part sur vous. Mais vous voyez que l'onde que cela émet spirituellement dégage de vous les sorts lancés, programmation maléfique. Savez-vous qu'avec du gombo et de l'ail, je dis bien gombo et de l'ail, là on peut déjouer les complots. Je suppose, toutes mes excuses, hein, que nous sommes peut-être en administration, nous sommes en affaires, nous sommes en famille, et un complot est en train de... Vous comprenez un peu? Mais on peut utiliser du gombo avec de l'ail pour lutter contre. En quoi faisant? Je suppose que la bonne femme est en train de préparer du gombo. Elle a l'art de couper la tête et la queue. Vous mettez seulement deux morceaux d'ail dans la main et vous ramassez tout ce qu'elle a, qu'elle veut jeter et vous les versez dans le feu. Vous allez voir que ça va prendre feu quelques minutes après. Et là, il va commencer par laisser son odorat. C'est comme ça que toutes ces personnes qui sont derrière vos jours et nuits, ayant pour vision de vous disloquer, vont totalement se débarrasser de vous. Parce que leur plan sera toujours voué à l'échec. Mais qu'est-ce qui a produit l'effet? Ce n'est pas le gombo. C'est l'épice qui est à l'intérieur, qu'on appelle ail. Par son principe actif, a produit cet effet dont a besoin l'être humain pour mieux prospérer. Il y a des situations qui se présentent devant nous. On regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a personne pour venir à notre secours. Les portes sont bloquées. La principale prière, c'est de voir l'horizon boucher, se déverrouiller. Trois cuillerées de poudre de clou de girofle dans son eau de bain tous les jours pendant 11 jours. Téléspectateurs peuvent essayer. Vous allez voir que ça vous permet d'avoir les horizons bouchés, débouchés. Ça vous permet de vous connecter à de nouvelles personnes. Ça vous permet de vous connecter à la grâce. Et les œuvres de vos mains désormais vont porter fruit. Donc, toutes les épices ont leur valeur.
ail a ses valeurs, les feuilles de laurier ont leur valeur, la cannelle, les clous de girofle, ainsi de suite. Toutes ces épices que nous connaissons ont chacune leur valeur spirituelle respective. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant d'interdit dans l'utilisation, dans l'usage des épices? Vous savez, il y a des épices qui sont dans l'abus nuit. Mm-hmm. Vous comprenez un peu, n'oubliez pas que l'abus de toute chose nuit, le bon fonctionnement de l'organisme. Je suppose que vous êtes dans un temple ésotérique. Oui. Où vous êtes en train de communiquer avec les énergies. Mm-hmm. Vous savez, là où il y a le yin, il y a le yang. Oui, absolument. Vous savez qu'on a parfois aussi besoin des énergies du bas astral pour lutter contre ces personnes du bas astral qui veulent le détruire. Tout à fait. Mais la fumigation de l'ail de l'autre côté risque de chasser ces énergies. Ouais. Donc vous voyez que de ce part, on ne doit pas utiliser l'ail là-bas. C'est ça. Il y a beaucoup de restrictions qui les entourent. Il y a des épices aujourd'hui que les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser. Ouais. Je suppose la dame qui est enceinte, elle ne doit pas utiliser les graines de nigel. Nigel qui constitue aussi épice, qui n'est pas céréale. Mm-hmm. Donc elle ne doit pas utiliser les graines de nigel. Mm-hmm. Donc, moi, je peux utiliser et elle ne doit pas utiliser. Ouais. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, chaque épice aussi a fait interdiction. Les feuilles de laurier perforées dans le portefeuille n'attirent rien. Juste parce que j'ai appris un peu partout par les canaux de communication qu'il faut mettre les feuilles de laurier dans le portefeuille. Je suis allé chercher 3 feuilles de laurier, j'ai mis dans mon portefeuille. Je dois visualiser, au moins même si c'est une fois par semaine, pour voir si mes feuilles ne sont pas trouées. Les feuilles de laurier trouées dans le portefeuille peuvent produire l'effet qu'on appelle main percée poche trouée. Ce qu'on met derrière dilatation financière et autres. Alors qu'avec l'ail aussi, 2 morceaux d'ail tous les jours pendant 3 jours, l'on peut lutter aussi contre la dilatation financière. Je suppose qu'on a peut-être des téléspectateurs qui sont à l'écoute en ce moment, qui n'arrivent plus à garder l'argent stable dans leurs mains. Les mains sont percées, c'est une manière de parler. Les poches sont trouées. Ou bien, le salaire ne dure même plus 24 heures. On ne fait que dilapider, on paie les dettes. On ne fait que s'endetter du jour au lendemain. Faites ce rythme pendant 3 bons jours pour couper court avec cette influence maléfique qui redécampe autour de vous. Avant de vous coucher, à un moment, on dit que le corps est en état de djinn. Vous prenez 2 morceaux d'ail non épluché, vous mettez un morceau dans la main gauche, l'autre morceau dans la main droite. Vous fermez les mains, vous dormez. En dormant, vous pouvez perdre le contrôle. Ça va tomber. Laissez sur le lit, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin au réveil, vous prenez les 2 morceaux d'ail, vous restez à l'intérieur de la maison, vous jetez à travers la clôture et ça sera à l'extérieur. Vous appliquez ce rite-là sous 12 heures. Ou bien, les 2 morceaux d'ail, si vous avez peut-être un peu de charbon déjà ardent chez vous à la maison du feu, vous jetez ces 2 morceaux d'ail dans le feu. Cela va disloquer totalement cette influence maléfique, cette énergie qui pèse très lourde sur vous. Donc avec les épices, on peut produire d'énormes miracles. L'utilisation à titre de fumigation des épices, est-ce qu'en utilisant les épices pour faire des fumigations, est-ce que ça peut vraiment contribuer à dégager un environnement infesté d'entités négatives? Vous savez, rapidement, je précise encore, on peut associer 3 épices. Pour lutter, toutes mes excuses, même contre les œuvres de la sorcellerie dont nous sommes parfois victimes dans nos différentes maisons, pour chasser les êtres purement maléfiques invisibles à l'œil nu, connus ou inconnus bien sûr, qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Quelles sont ces épices? Les clous de girofle, les feuilles de laurier et du poivre noir africain. On peut les associer. La fumigation du soir en 12 heures, on commence un mercredi, jour de la planète Mercure, mais c'est une fumigation qu'on fait seulement les soirs au coucher. Donc vous fumiguez chez vous. L'ail mélangé au clou de girofle, le tout mélangé au poivre noir africain. Pas besoin de les réduire en poudre. Vous pouvez juste les mélanger dans un petit bocal et vous ramassez poignée de ce mélange que vous versez seulement sur de la braise. Tous les soirs pendant 72 heures. Votre environnement va respirer vie. La paix va régner dans votre maison. Pourquoi ne pas avoir un petit balai de citronnelle chez soi? Vous savez qu'on utilise souvent les branches de palmier pour faire le balai. Nos balais traditionnels. Mais on peut utiliser aussi de la citronnelle sans enlever les feuilles. On n'a pas besoin de la brindille à l'intérieur. Vous prenez des feuilles de citronnelle pour en faire un petit balai. Vous prenez ce balai que vous balayez votre espace les lundis. Vous savez, vous allez vivre en paix, dans la grâce divine et dans la pleine bénédiction de celui qui a créé le ciel et la terre. Car les principes actifs et la grâce qui accompagne citronnelle permet de débarrasser de son entourage toute énergie purement horrible, tout esprit néfaste qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous. Certains téléspectateurs en ce moment sont sous l'influence d'incubes et de succubes. Le phénomène mari de nuit et femme de nuit. Mais avec l'ail, on peut démolir aussi ce nœud de nos joues. Mais en quoi faisant? 2 morceaux d'ail ou 3 morceaux d'ail emballés dans un petit coton que vous gardez sous votre couchette. Ou bien de l'ail moulu, la poudre d'ail.
vous allez répandre un tout petit peu sur les rebords de vos différentes fenêtres. Oui. Donc vous cherchez soit trois morceaux d'ail, vous mettez les trois morceaux d'ail, vous les emballez dans un petit bout de coton que vous gardez sous votre couchette. Si l'odorat va vous indisposer, mettez sous le lit. Soulevez votre matelas, déposez sur les travers du lit. Oui. À défaut, vous voyez, nos chambres ont souvent des fenêtres qui donnent l'aération. Vous voyez les rebords des fenêtres. L'on peut chercher de l'ail moulu, donc la poudre d'ail, et procéder peut-être à une petite ligne, une ligne très fine, oui, même invisible à l'œil nu. Mm-hmm. Donc vous allez saupoudrer, vous allez répandre un peu sur les rebords des fenêtres un peu de poudre d'ail. Le but final est de disloquer ces énergies, de chasser ces esprits purement influents qui rôdent et campent autour de tout un chacun de nous. Vous savez, de l'autre côté, c'est quelqu'un à qui vous vous confiez, quelqu'un que vous connaissez bien, mais ami déguisé en ennemi déguisé en ami. Mm-hmm. Comme la lettre E d'ennemi n'est pas mentionnée sur quelqu'un, vous ne savez pas que ce dernier est avec vous dans l'ortie de vous nuire. Oui. Mais lui, sa mission, c'est de vous détruire. Détruire. Mais le fait de procéder à une fumigation d'une semaine de l'association de la maniguette à Takou en langue nationale, fond, c'est ce qu'on appelle piment de Guinée, avec le poivre noir africain, donc vous associez, vous mélangez les deux, vous brûlez seulement comme encens pendant une semaine. Cela peut procéder en quelque sorte au renvoi de ce mauvais œil. Vous savez, rendons-nous auprès des bonnes mamans vendeuses d'objets de piété, ou bien dans les maisons ésotériques. Il y a un encens qu'on appelle Oliban. Oui. Vous cherchez une petite quantité d'encens Oliban. Vous vous rapprochez des bonnes femmes vendeuses d'épices, vous achetez l'épice qu'on appelle cumin. C-U-M-I-N. Oui. Vous mélangez les deux. L'opération se fait en 3 jours. Vous cherchez du charbon à dents. Vous procédez à une petite fumigation. Après la fumigation, vous savez, ça va toujours laisser la résine. Ouais. La seule chose qui résiste au feu, c'est la cendre. La cendre restante, attendez, il ne faut pas brûler l'espace. Donc, attendez que la cendre soit totalement froide. Vous allez répandre encore cette cendre-là dans l'espace. Et vous procédez à cette opération pendant 72 heures. Vous savez, vous allez juste apprendre dans la vie qu'à côté, ils ont été victimes, à gauche, ils ont été à droite. Mais ces personnes-là, dotées de cette mauvaise intention, ne vont jamais donner de valeur à votre lieu d'activité. Mais écoutez, c'est des gens qui ne considèrent pas votre lieu d'activité, comment viendront encore faire leurs opérations dans votre lieu. Donc, avec les épices aujourd'hui, on peut opérer d'énormes miracles. Vous savez, quand j'ai un projet et je ne sais pas à qui m'adresser, je demande à la dame nature de m'envoyer vers la bonne personne. Tout le monde peut faire. Mais est-ce que vous les avez testés vous-même N astuces déjà. Et la plupart de ce qu'on partage aujourd'hui sont des astuces testées. Vous savez, il y a de milliards d'astuces. Mais tout dépend aussi de l'aura de tout un chacun de nous. Voilà, c'est ça qui est très important. Bélier peut appliquer ne pas avoir de résultat et Taureau va appliquer aura de résultat. Tout dépend du champ de lumière qui entoure tout un chacun de nous. Mais la plupart de ces astuces que nous sommes en train de partager ici, dans votre émission, sont des astuces dont le principe actif est presque commun. Et de milliers de personnes dans le monde ont déjà tiré un coup de pouce à ces astuces-là. Raison pour laquelle, à cœur vaillant, nous les partageons. Afin que les téléspectateurs aussi puissent mettre cela en application. Alors, un rite de consécration des épices est-il indispensable pour faciliter les résultats? Vous savez, c'est plus facile de faire, mais il faut être initié pour le faire. Si on n'est pas initié, il y a des prières qu'on peut réciter dessus. Vous connaissez le renvoi? On peut faire le renvoi sur les épices. Oui, le pentagramme, le pentagramme de renvoi. L'étoile à 5 branches. Ou pour m'amuser parfois à l'initiation, je dis range gauche, front, range droite, épaule gauche, range gauche. Donc, vous faites le renvoi sur les épices pour dégager l'espace, pour chasser toutes les énergies influentes qui sont de ce côté. Ça, c'est une technique très banale. Outre le renvoi, il y a des sommes aujourd'hui qu'on peut utiliser comme somme de consécration. Un exemple, le somme 32. Quand vous récitez un tridome 3 fois sur vos épices, vous les consacrez. Même chose pour le sel. Je suis peut-être musulman, c'est la sourate Ikhlas. Une, deux, trois fois sur les épices, vous consacrez. Il y a aussi la méthode de l'abbé Julio qui est là. Il y a la technique de la conjuration des 7 qui est là. Donc il y a beaucoup de moyens, beaucoup de méthodes aujourd'hui qu'on peut facilement mettre en exergue pour consacrer nos épices. C'est une question pertinente que vous avez posée. Vous savez, autour de nous aujourd'hui rôde le maléfique et le positif. Et les objets que nous utilisons pour nos rites sont parfois aussi endommagés par le maléfique parce que nous ne voyons pas ces énergies à l'œil physique. Donc en mettant en pratique ces petits codes de la nature,
l'on peut arranger l'espace, l'on peut chasser le négatif qui est derrière pour permettre au positif de prendre vraiment régence dans notre vie. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'y croire ou bien juste l'expérimentation? Parce que il y a aussi la foi, il y a les convictions qui peuvent intervenir, ou est-ce que pour faire ces rites-là, on n'a vraiment pas besoin d'y mêler la foi ou la croyance? Vous savez, toutes mes excuses, hein, la vie des autres ne compte pas. C'est ce qu'on doit comprendre. Je peux me purifier avec les feuilles d'hysope à 2 h du matin, et je vous vois vous laver avec l'huile essentielle, juste d'hysope en journée, je vous dis c'est diabolique. Entre nous deux, qui a plus de diabolité la chose, vous avez utilisé une substance de l'hysope, mais moi j'ai trituré la matière première. Les gens vous diront non, c'est mauvais, il ne faut pas appliquer. Mais ces mêmes personnes appliquent en toute discrétion. C'est parce que vous avez étalé pour vous qu'on a vu que vous faites. Toutes les énergies positives sont autour de tout un chacun de nous. À nous de les attirer comme nous voulons, à nous de les rejeter si nous n'avons pas besoin. Quelle que soit notre obédience religieuse, excusez-moi beaucoup, on n'a pas dit de tuer un animal, on n'a pas dit peut-être d'agir sur le règne animal pour consacrer l'épice. Mais c'est des créatures du Créateur, des fruits de certains arbres, si je peux m'exprimer ainsi. Qui suis-je pour ne pas les manipuler si le Créateur les a donné ce principe-là? Si le tout glorieux, l'architecte, le maître du temps et des circonstances, l'architecte de l'univers leur a donné ce pouvoir. Donc, avec ou sans foi, si le résultat a été favorable pour eux, il en sera pour les autres. Vous comprenez un peu? Donc, on peut avoir d'énormes résultats favorables en appliquant les astuces sans même toucher l'intimité de notre religion. Le chrétien peut appliquer, le musulman peut utiliser, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, le croyant, le non-croyant. En quelque sorte, c'est des ingrédients de cuisine. Merci Florent Avocran. Je rappelle que vous êtes spiritualiste et cherchant en ésotérisme. Merci pour vos informations et surtout vos recherches sur les épices, parce que vous faites partie des pionniers en cette matière. Et merci de nous avoir apporté ces informations. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très 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 bientôt.